Eh bien salut à tous, c'est OrangeD, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 16. Donc nous sommes sur la démo, nous allons découvrir tout ce qui se passe dans FIFA 16. Donc j'espère que le montage que je vous ai posté hier, normalement je suis à la bonne heure, le montage que je vous ai posté hier pour la fin de FIFA 15 vous aura plu. Donc ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à cliquer. Donc aujourd'hui on va faire tout simplement un petit match. Donc ah merde, j'avais oublié qu'il nous lance directement le match. Donc on va quitter parce qu'on va pas faire un Real Barça. On va quitter ce qu'on va pas faire avec le Barça, puis on va voir les découvertes ensemble. Donc normalement il y aura plusieurs vidéos sur FIFA 16 qui vont arriver sur FIFA 16, ils vont arriver normalement dans les jours à venir. Donc faut savoir que là on est le 8, à l'heure où je vous parle, le jeu sort dans 2 semaines à peu près. Donc le jeu sort dans 2 semaines, je pense que le jeu est presque terminé. Donc là il nous montre les nouveautés, donc dribble sans contact, le meilleur, etc, etc. Ouais, ça je dirai plus tard pour apprendre les nouveautés. Hop là. Il y a aussi des équipes féminines, donc ouais, faudra faire une vidéo sur les équipes féminines, ça faudra pas que j'oublie à le faire. Et l'acheter, bah je l'ai déjà acheté, j'ai déjà précommandé, donc normalement je le recevrai dès qu'il sorte. Ah ouais, il y a le mode draft à faire, donc on fera une vidéo dessus. Les nouveautés de FIFA 15, ouais c'est ça. Merde, putain, faut que je retourne dessus. Ok, hop, hop, ça on s'en fout. Hop, ça on s'en fout. Ça on s'en fout aussi. Donc faut pas aller dans les nouveautés, ça je regarde après. Paramètres de jeu, commandes de base, quantités, tout ça c'est des paramètres. Et coup d'envoi, donc il n'y a rien de spécial de spécial dans cette mise à jour, à part le mode draft Ultimate Team, qu'on testera aussi dans une vidéo qui arrivera normalement très rapidement. Donc le menu déjà ils ont changé, donc c'est un peu le classique de FIFA, les carrés comme ça. Mais la couleur elle a changé bleu, je trouve que ça c'est pas mal en bleu, hein. C'est très beau comme ça je trouve en bleu. Donc dites-moi ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est assez stylé comme ça, ça a changé un petit peu. Et toujours le emblématique Lionel Messi sur la jaquette FIFA. Cette fois-ci je crois qu'il est avec Griezmann si je me trompe pas. Là avec le nouveau maillot du Barcelone, ça passe crème. Bon, on va faire un petit match, donc on va voir les équipes qu'il y a. Bon, je vais pas prendre le Barça, je vais pas prendre le Real, je vais pas prendre les équipes comme ça, puisque je pense que vous en voyez. Je pense que je vais prendre Dortmund pour changer, j'ai envie de jouer de Dortmund, je sais pas pourquoi. On va prendre Dortmund pour changer parce que les autres équipes tout le monde les voit. Donc là on va faire aléatoire. Ah ouais, là un show quand même. Attendez, vas-y, Paris, allez Paris. Paris contre Dortmund. C'est parti, on va voir la gestion d'équipe. Donc c'est exactement comme FIFA 15, hein. Ils ont juste changé la couleur. Pas très très gros changement. Après il faut voir en gameplay, niveau gameplay c'est quelque chose qui a changé. Niveau des joueurs, je regarde des fois ce qu'ils mettent en réserviste, ils mettent des bons joueurs. Donc là ça a l'air d'être classique. Par contre il y a Kagawa que j'aurais bien envie de mettre. Je vais à place de lui je pense. C'est bon comme ça. Voilà, on va jouer comme ça. On va jouer comme ça. En espérant qu'on fasse un beau match. C'est ça qui va vous proposer de toute façon. Donc on passe au sol bronze. Ouais, les nouveaux entraînements aussi. Putain, moi je veux pas le didacticiel là, je peux l'enlever s'il vous plaît. Voilà. Dès que vous commencez à jouer, vous mettez un. Ah oui d'accord. Hop. Ok, moi je sais pas viser en fait. Ok. Et je te. Ah c'est bon voilà. Bon faut bien appuyer sur les boutons, avant on mettait juste une petite pression, ça partait, là faut appuyer plus fort dessus déjà. Au niveau gameplay c'est exactement ressemblant à comment ça s'appelle. Ça ressemble vraiment à FIFA 15, pour l'instant je vois pas tellement de changements, donc on va commencer le match. Donc il y a le stade du Bernabéu, donc le stade de Real de Madrid. Ça c'est parce que je crois qu'il n'y a qu'un stade dans la machin, donc ça on va passer, les présentations, etc. On s'en va les couilles. Et puis on va jouer, donc les graphismes ont été améliorés un tout petit peu vraiment je dirais. Je vois pas vraiment de changement, c'est vraiment un tout petit peu je dirais. Minimum. Et je vois que les joueurs sont un peu plus lourds, le gameplay est un peu plus lourd. Je pense que ça c'est pour enlever les tout droits, les L1 triangles, etc. Parce que maintenant on peut plus faire de tout droit comme avant au centre, et ça part en tout droit. Je pense plus qu'on pourra faire ça. Par contre, j'arrive pas à voir le ballon s'il vous plaît. Ce serait pour tester le jeu s'il vous plaît. Ouais, elle sort, hop, c'est pour nous. Niveau graphisme, ça change pas beaucoup. Niveau gameplay, le graphisme, je l'ai dit. Les gameplay, en bas, ils nous ont mis des petites barres bleues à la place des petites barres vertes. Bon, ça c'est design encore. Ça c'est design, ça dépend de vous. Hop là, voilà, regardez. Là, on a fait un tour avec Kagawa et on va marquer. C'est moi qui vous le dis. Non, on a pas marqué, mais. Vas-y, tire! Oh dommage, dommage, mais le gameplay il est plus lourd, c'est à dire on n'arrive pas à courir tout droit comme avant, donc faudra tester avec des joueurs très rapides. Moi j'ai testé Lionel Messi et CR7, j'ai vu qu'ils couraient pas très très rapidement que ça, c'était pas des grosses flèches comme dans FIFA 15, ils partaient pas rapidement, ils étaient rapides, mais c'était lourd, le gameplay est plus lourd. Les frappes, donc les long shots, j'ai testé les long shots, donc les long shots cette année sur FIFA 16, ça va être très dur d'en mettre, puisqu'ils ont, putain je l'ai fauché, ouais je l'ai fauché, ils les ont enlevés. Ils ont tout simplement enlevé, donc pourquoi ils les ont enlevés, c'est parce que je pense, déjà c'était pas de base je pense. Je sais pas pourquoi ils les ont enlevés, c'était des très beaux buts les longshots, je sais pas ce que vous en pensez de mettre des longshots du milieu de terrain, c'était magnifique franchement. Moi je kiffe en mettre, bah, merci de la passe.
Monsieur, il m'a cassé la jambe. Ouais, bien joué. Là, on va tenter de le frapper direct, même si je pense que je vais la louper. Alors, attendez, il n'y a pas Royce. Royce, il est gaucher, c'est ça? Non, il est droitier. Ok, on va partir comme ça. On va l'attraper. Ah, deux barres, c'est pas assez du tout. C'est pas du tout. À part se passer en petit pont, non, bah, c'est pas assez du tout, du tout, du tout. Il faut mettre limite 3 barres d'ici pour frapper. Bon. Hop. On va passer là-haut, là, côté là. On va faire un centre, bien appuyé. La tête à corps. Oula. Mais t'es sérieux, gros? T'es sérieux, gros? Comment tu. La balle, elle vient sur toi, sur ta tête. Toi, t'oses me faire ça. Hop là, on va passer. Kaka est très bon joueur là. Très très bon joueur. Zlatan Ibrahimovic qui joue même plus. Je sais même pas s'il joue encore à Paris. Il joue encore à Paris, mais je l'ai pas vu au début du gars. Je vois beaucoup plus Cavani que Zlatan Ibrahimovic. Il va centrer. Hop, c'est loupé. Donc gameplay plus lourd, mais bon, on reprend vite les bases. Donc il y a quelques nouveautés que j'ai pas vu. Il y a les fins de corps. Par exemple, il y a les. S'il vous plaît. Il y a le. Le tacle quand tu te relèves là, je sais plus comment ça s'appelle. En fait, vous taclez et vous appuyez croix d'un coup. Ça fait que le personnage va se relever. Là, on va marquer, je vous le dis tout de suite. Allez, Aubameyang, tu me passes. Mais Aubameyang ! En gros, c'est pas ta faute, c'est Sirigu, tu vois. Déjà, c'est. Et sérieux, je vais pas faire une fin de frappe. Oh, la retournette là, pour dégager le ballon, elle était très jolie. On va atteindre tout. Le ballon. Je l'ai acheté en fait. Hop. Le gameplay est plus lourd, je pense que si vous téléchargez la démo, elle est. Alors, la démo, j'avais oublié de le dire, elle est sur. PS4, Xbox One et PC, je suis pas sûr, donc je vais pas vous dire de conneries. Et les old gen aussi, hein, PS3 et 360, ne vous inquiétez pas, ils sont aussi dessus. Mais je pense que les graphismes sont aussi moins beaux que ça, comme l'année dernière quoi. On va partir avec Aubameyang, avec sa grosse vitesse de pointe, il y a moyen de marquer des buts. Par contre, Aubameyang il part très rapidement, hein. Ça, on peut le voir tout de suite. Yes! Ok les gars, est-ce qu'on tente la Panenka? Est-ce qu'on tente la Panenka? Vous savez quoi? C'est nouveau, tu ne tentes rien à rien. La Panenka, allez Sirigu, va à gauche, va à gauche. Vous sentez la déception dans mes yeux? Putain, mais comment il savait Bon, tant pis les gars, de toute façon, c'est qui ne tente rien, n'a rien. De toute façon, on va essayer de la récupérer. Si je prends un but juste après, par contre, ça va pas faire. Ouais, mais non. Non, mais les gars. Mathieu Di Charo, mais. Mathieu Di Charo, Mathieu Di Charo. Ok, il a loupé. C'est Sirigu qui nous a tapé 5 arrêts, notre gardien il a fait encore 0 arrêt. Par contre j'ai mis sur la tête à Zlatan, donc ça c'est pas bon. Ils sont pas mal le Dortmund, hein, je les aime bien. Là ils font un meilleur début de saison que l'année dernière, déjà. Hop, alors faut qu'on récupère un ballon là. Non mais c'est pas ma faute. C'est ça qui m'énerve, ça n'a pas changé ça de FIFA 15. Ça n'a pas changé du tout, regardez. Je l'ai à peine touché, c'est même pas moi qui a fait la faute, hein. J'ai pas fait exprès, j'ai pas appuyé rond, j'ai pas appuyé carré. C'est juste que j'ai été au contact avec lui et ça l'a gêné. Et ça fait une faute. C'est n'importe quoi, regardez. Et lui va le mettre le penalty. Putain, comment avoir de la malchance? Comment avoir de la malchance? J'ai jamais vu ça. Pourquoi je fais une Panenka aussi? Bah oui. Pourquoi je fais une Panenka aussi? Bon, c'est pas grave, les amis. C'est pas grave du tout. Donc, dans cette démo, on peut pas jouer en mode online. On peut pas tester le mode online. Donc, tout. Merde, je voulais appuyer start pour passer la. Qui sait où là? Je peux même pas passer la cinématique. Putain, allez. Je m'en fous. Je veux pas le. Voilà, le distanciel là, je vais vous montrer vite fait. Pour ceux qui savent pas vraiment jouer, ils vous apprennent à faire les passes, les jets qu'il faut faire au bon moment. Mais bon, ça gêne plutôt qu'autre chose, moi je trouve, quand vous savez jouer à FIFA. Ça gêne plutôt qu'autre chose. Donc voilà, on va aller au centre, mais il n'y a personne, les gars. Ouais, bah, on va revenir en arrière. On va aller dans l'axe, vous savez quoi. Kagawa. Et pourquoi tu fais ça? Ah, c'est bien joué, il a rien vu. C'est dommage, telle l'action. Sinon, le gameplay il est plus lourd. Il n'y a pas vraiment de changement sur FIFA 15, sur FIFA 16. C'est juste que l'année elle change encore. C'est tout. C'est tout ce qui change. Sinon, rien d'autre. Imaginez la rentre comme ça. Ça aurait été magnifique. Sinon, il n'y a rien d'autre qui change. On perd 1-0. Il faut essayer de rattraper ça, les gars. Parce que premier match sur FIFA, on va pas le perdre, je vous le dis. Je vous le dis, on va pas le perdre. Ok. Sinon, au niveau des matchs, il n'y a pas vraiment de nouveautés, mi-temps, etc. Regardez, c'est comme avant, c'est bleu, t'as les tirs, t'as la possession. Il n'y a pas réellement de changement, je pense que. Au niveau des changements, ça ne change pas grand chose, je me répète plusieurs fois, mais c'est pas grave. Donc là, on va essayer de jouer, on va essayer de marquer, les amis. C'est ce qu'il faut marquer, puis après, on va tout simplement tester les autres modes de jeu que je ferai en autre vidéo, donc qui seront sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez maintenant, à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Twitter. Dans lequel je parle pas mal de fois de FIFA 15, des jeux de tous les jours quoi, pour ceux que ça intéresse. Comme les concours sont interdits aussi, peut-être que je ferai des concours sur Twitter, je verrai bien. Et puis voilà les amis, donc si vous voulez voir les autres vidéos du mode draft et du mode défi,
Parce qu'on va faire, on va tester les femmes aussi. C'est quoi ce centre? Alors on va tester aussi les femmes. Et donc normalement ça viendra sur ma chaîne, sur des petites vidéos. Si vous n'avez pas le temps de regarder, j'essaierai de faire ça rapidement et de vous les montrer rapidement. Normalement ça devrait sortir demain ou après-demain. Je suis assez rapide. Et puis voilà, donc là on va essayer déjà de rattraper le score, parce que de Panenka j'ai fait le con les gars. Je vous avoue, j'ai voulu me la péter, mais j'ai voulu tenter des trucs. J'ai l'impression le gars il a entendu que j'ai dit que j'allais faire Panenka. Vas-y Aubameyang, t'es solo là, t'es solo, t'as David Luiz qui peut te rattraper là. Là tu t'as lancé refermé, on va tenter de centrer pour lui. En gros tu le mets celle-là, tu la mets. Putain, bien joué le défenseur qui est revenu sur la... Il y a Thiago Silva qui est revenu là. Ok les gars, les corners. Putain, j'ai mis un peu trop léger. Artounette. Non, ce serait rentré. Jerry Bandley, elle serait rentrée les gars. Jerry Bandley, de toute façon il y a plein de vidéos à venir qui vont arriver. Est-ce qu'on lui fait le sombrero de la famille? Je crois pas qu'il peut faire le sombrero. Non, il peut pas faire lui. Merde, je voulais lui faire un sombrero. Et j'avais oublié que monsieur le défenseur ne peut pas faire de sombrero. Ah putain, non, c'est mal joué ça. Ah putain, non, j'ai mal fait. Excusez-moi. C'est ça qui est con, c'est qu'il y a encore les fautes sans faire exprès. Parce que là, vraiment, l'autre faute, j'ai pas fait exprès du tout. C'était pas une intention de faire une faute. Mais bon. Ah, ici, la nouveauté, la bombe là, le spray. Putain, ils vont marquer. Oh, mais l'enculé! Putain! Mais regarde-moi ça! Putain! J'étais en train de parler, c'est pour ça. Ils ont le spray maintenant, les arbitres. Donc, ça, c'est des petites nouveautés qui nous servent à rien, vous voyez, mais c'est toujours plus réaliste quoi. Ça met un spray, regardez-moi cette poteau rentrant en lucarne là. Presque elle est en lucarne. Elle est en lucarne limite. Ouais, elle est en lucarne, elle tape la barre, boum, elle en vient. Ah, zizi, ça me saoule. J'aurais dû marquer un penalty maintenant. Quand je vois ça, je me dis putain, j'aurais dû mettre une grosse mine côté gauche au penalty. C'est pas grave, les gars, on va rattraper. Ouais, normalement, putain, mais qu'est-ce que tu me fais, gros? T'assures pas du tout là, faire des talonnades comme ça. Vas-y, attends, lâche le ballon. Ah, ça saoule. Dommage, il reste pas beaucoup de temps parce que le temps va passer vite. Donc faut qu'on marque vite. Vas-y, Reus, fais le taf. Ah, pourquoi j'ai poussé le ballon? Ah, si, c'était bien joué, peut-être. Vas-y, Reus, faut centrer maintenant. Il me gêne, monsieur l'arbitre, oui. Ouais, il m'a gêné. Moi, tout à l'heure, j'ai fait ça, j'ai eu pénalty, tout ça. Ok, là, on va faire un putain de centre. Deux barres, ça devrait aller. Ah, trop. Encore, allez, on se bat, les gars. Allez! Oh mais putain, allez! Les gars, faut qu'on marque un but. En plus, je sais qu'on est capable de faire. On va passer en attaque de folie, je pense, dans pas longtemps. Il faut qu'on marque, c'est... Mais vas-y, attaque de folie direct. Comme ça, ça va monter. Ah, bien joué, ça l'a passé en retrait, Cavani. Je t'avais dit que je te donnais ton petit billet à la fin du match. Ah, il est hors jeu! Putain. Je savais que j'étais hors jeu. Ok, les amis. Il nous faut le ballon. Putain, j'aurais dû aller sur Mathieu Dicharo. Blaze Matuidi. Donc les commentaires ils sont en anglais, c'est parce que c'est la démo, ne vous inquiétez pas, ils pourront être en français normalement plus tard, parce que pour ceux qui comprennent pas l'anglais, qu'ils aiment bien les commentaires, même si c'est un petit détail parmi tant d'autres. Ok, s'il vous plaît, le ballon. Pastore, je pense que Pastore il va améliorer parce que la saison qu'il a fait l'année dernière était pas mal. Allez, elle sort vite. Putain, il me reste 10 minutes marquées de but. Non, je perds 2-0 contre Paris Saint-Germain. Je vais faire une passe. Non, mais non! Mais non! Eh oui, mais. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il s'appelle Rabiot là, il veut les embrouilles. Là. Mon gars, il te met un coup de boule là, il t'es mort. Mais non, mais vas-y là, je touche à peine, putain. Vas-y. Bon, les gars, on a perdu. Et voilà, je fais tomber la manette. Bon, on a perdu 3-0 côté droit. Vas-y, mais c'est. Punaise, bon les gars, on a perdu 3-0 contre le PSG. C'est la triste réalité de la vie, vous voyez. Alors, en réalité, je pense que Dortmund ils peuvent gagner. Mais bon, moi je suis une merde, vous voyez. Je suis une merde. Mais en même temps, j'ai deux pénaltys. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi j'ai un pénalty, je voulais faire le kéké. Même pas ils font. Il avait pas faute l'arbitre. Ah oui, bien sûr. Ah, bien sûr. C'est n'importe quoi ça. Ah, mais c'est n'importe quoi. C'est bon, c'est fini. Hein, 2 minutes. Tu veux que je marque combien de buts en 2 minutes? Et déjà, si je marque un but, les gars, ça sauverait l'honneur. Putain, ça me dégoûte. En plus, Dortmund sont pas mal, je les aime bien. Eh oui! Ah, il est hors jeu, encore heureux. Bon, allez, c'est fini, là, je dégage, je pense que c'est fini. On tente le long shot. Imaginez, ça rentre avec un faux rebond, de type rebond. Vas-y, tape là. C'est fini, les gars. Allez, putain. Ouais, oui. Putain, bien joué.
Bon, j'ai fait le kéké, j'aurais pu marquer 3-1. J'aurais peut-être pu avoir 3-1. Si j'aurais pas fait les pénaltys, il aurait pu avoir 1-1. 1-1 si j'aurais pas fait les pénaltys et que j'aurais marqué le mien. Ça aurait fait 1-1, mais bon, dommage. Dommage. Sirigu, il a fait un gros match, que j'ai eu pas mal d'actions, qu'il a pas mal arrêté. Donc voilà, là aussi, c'est la nouveauté. Il montre un petit peu les récaps de la machin. On va avoir, bien sûr, les buts, le pénalty loupé de moi. Il a fait pénalty. Non, regarde, moi, skin. Tu veux pas louper, hein. Donc, voilà, là, y a personne au retour. Les ralentis sont mieux faits, ils ont un effet. Vas-y, on va regarder ce but. Là, ils ont un effet film comme ça, je sais pas si vous voyez. Ils ont un bon effet, je trouve. Oh, joli. Honnêtement, il était joli cette frappe. Regardez, c'est un bon effet, ça a les petites bandes noires sur le côté, etc. C'est très stylé, donc là, on peut voir les moments forts. Et je crois que c'est quoi, ça récap du match. Ouais, c'est le petit récap naturel du match. Après, on continue, le classique, les détails du match. J'ai fait 8 tirs. 8 tirs et ils en ont fait 4. J'ai fait les doubles des tirs. 6 tirs cadrés, les gars. J'ai 6 tirs cadrés, ils en ont 1. C'était la frappe de Cavani, je pense. Après la possession, on est à peu près égal. Les tacles, à peu près égal. Les fautes, à peu près égal. Après vision de tir, je suis à 75%, je suis à 25%. Et on n'a pas réussi à gagner. Dommage. Donc voilà, les gars, c'était tout pour cette vidéo sur FIFA 16. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager la vidéo. Et abonnez-vous à ma chaîne si d'autres vidéos sur FIFA 16 vont arriver très rapidement. Allez, ciao.